Donc, Marie et Joseph sont allés dans la ville de Bethléem. Amen. Ce qui signifie la maison du pain de vie. La maison du pain de vie de Dieu. Amen. Là où on garde les brebis, c'est ça une étable. Donc, c'est là-bas que Marie est allée. Alors qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels ou partout, les lieux d'hébergement, ils étaient obligés d'aller dans une crèche, dans une étable. Donc, d'après vous, pourquoi Jésus devait naître dans une étable? Parce qu'il était un agneau. On applaudit pour elle. Voilà, très bonne réponse. But we're right in the midst of all this now. Ce devrait être un jour solennel où on adore Dieu plutôt qu'un jour qui apporte chagrin, maux de tête et tout ce qu'on fait. Mettre la colle ici derrière, là où on n'a rien écrit. Là où j'ai écrit, ne mettez rien. Derrière, là où on n'a rien écrit, vous mettez la colle sur les quatre points. Vous voyez, non? Sur les quatre points. Et au milieu. Ensuite, vous prenez ça comme ça, vous collez. Elle a fini, elle peut nous présenter ce qu'elle a fait. Regardez ça comment. Bravo pour elle. Thank you.
May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.